C'est parti pour ce VS. Alors en fait, je me rends compte que je ne me suis même pas préparé sur le nom du YouTuber, mais je sais que tu vas me le dire, Kill, parce que tu Ça y m'accompagnes est. aujourd'hui dans ce VS. Bonsoir, bonsoir ou bonjour d'ailleurs à toutes et à tous. Ouais, et donc tu me disais le nom du YouTuber. Saiplay, Ça y plaît. qui fait donc plein de vidéos analyses, notamment Kaamelott et Harry Potter. Il en a notamment fait une trilogie d'analyses sur Arthur. Il a récemment volé un concept à Keshnifou, mais je crois que, enfin, je te laisserai faire ça toi-même, hein, Je comptais en parler. qui sont les qui sont Le les jeunets. drama. Alors c'est pas exactement ça. C'est ça, qui sont donc toi c'était je n'ai jamais vu, et lui je crois c'est je découvre Star Wars du coup, parce qu'il a découvert Star Wars récemment. Et pour ceux qui ont un petit peu suivi Kaamelott, et sinon bien spoilers, vous pouvez aller vous terrer dans un terrier jusqu'au film, ou même aller voir la série, hein, c'est encore une autre possibilité qui marche. Et qui savent donc, les gens qui ont vu ce Kaamelott, qu'il y a des références entre Star Wars et Kaamelott. Et juste vu qu'il vient de voir Star Wars, forcément ça a germé dans son esprit un rapport avec Kaamelott. Et du coup j'avais vu les 2 premières minutes, je crois que j'ai vu les 5 premières minutes, donc on a vu une petite partie de la vidéo. Mais C'est je ça. pense que ce qui sera intéressant, ça va être la discussion qui en découle après. Donc Écoute, voyons. franchement, ce que je te propose, Kill, c'est de venir prendre les rênes de ma chaîne, parce que tu viens de faire toute mon intro, donc c'est parfait. Non, je plaisante. Mais non, non, mais c'est Ah vrai. mince. Quoi? Non, 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 mais il n'y a pas de problème. Au Non, contraire. non, mais moi justement, je voulais prendre les rênes de ta chaîne, quoi. C'est si tu plaisantes, c'est un problème, quoi. Mais On en reparlera. On en c'est un reparlera peu dans le sens. après le VS. Blague à part, oui, effectivement, non, mais tu l'as très bien dit que cette vidéo-là, en fait, alors, est de si. Attends, putain, je sais même Ça plus. y plaît, ça y Ça plaît, y ça y plaît. plaît, ok. Ça y plaît Très que. sympa, tout de même. Enfin, Alors, il a l'air très et ben, en sympathique. fait, tu avais partagé sa vidéo sur notre serveur Discord, et puis, où justement, la fameuse vidéo où il a commencé par la prélogie, lui, hein. Donc, il découvre la prélogie. Et justement, ça m'a fait rire parce que j'ai crié au scandale. J'ai dit, oh là là, il me copie mon je n'ai jamais vu. Mais bien évidemment, c'est une boutade, c'est une blague. Au contraire, moi, j'ai été même ravi de découvrir sa vidéo, de voir comment il découvrait. Parce que maintenant, j'étais de l'autre côté. J'étais plus celui qui découvre, mais j'étais celui qui voyait les gens découvrir Star Wars. Et puis, ouais, t'as toujours cette petite envie de la personne. Tu dis, ah, j'ai l'envie de découvrir. Et puis, donc j'étais en train de regarder la vidéo et puis je reçois un message de mon cher Kill et il me dit, ah, mais tiens, on pourrait peut-être se faire un VS ensemble. Et je dis, bon, ok, en plus, tu vois, jusqu'à 5 minutes, ça commence pas vraiment. Si tu veux un petit pré-spoil. Ah ouais, quand même. Oui, quand même. Donc il y aura pas beaucoup, beaucoup de matière, hein, mais de toute façon, au montage, C'est le sujet, en tout cas. Je pense que le sujet nous permettra d'en débattre après, si jamais il n'y a pas beaucoup de matière, mais j'en doute quand même, Bien vu sûr. que je connais un peu les vidéos. Ouais, non, mais on verra bien. En tout cas, comme d'habitude, au montage, je laisserai pas forcément tout, même s'il y a peu dans la vidéo, je laisserai peut-être pas forcément tout, parce que le début, peut-être que enfin, je me souviens un peu, peut-être c'est pas nécessaire de le laisser dans la vidéo. En tout cas, ce YouTuber, alors après, je ne le connaissais pas avant, je ne te connaissais pas avant, si tu nous regardes. Moi, en fait, je regarde pas vraiment. Je suis pas trop vidéo analyse, mais par contre, sa découverte des vidéos, enfin, des épisodes Star Wars m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis ouais, comme je disais, tu m'as contacté pour faire un VS dessus, même si voilà, effectivement, je sais pas si ça a forcément un énorme intérêt, si on va beaucoup parler dessus, mais en tout cas, ça réunit deux sagas qu'on connaît très bien, hein, Merci. Kaamelott et Star Wars, donc ça vaut le coup déjà rien que pour ça. Je soupçonne que tu as même voulu faire un VS juste parce que justement ces deux sagas-là nous Pas parlent du énormément. tout. Mais en plus, je soupçonne que tu te sers de moi pour que le fait que je fasse cette vidéo, je puisse atteindre pour parler à ce youtubeur et que toi tu puisses t'immiscer et peut-être réussir à entrer en contact avec lui. Je sais pas, Non, alors en plus, je veux savoir, parce que je lui ai déjà parlé rapidement en commentaire. Je À sais, chaque tu fois parles à sur tout le ses monde. vidéos sur la trilogie, la prélogie, et à chaque fois il avait vu mon commentaire, enfin il avait mis un cœur, mais il met un cœur à peu près tout le monde, c'est pas. Mais donc techniquement, je lui ai déjà parlé, donc c'est pas. Non mais c'est quoi? Enfin moi c'est vraiment c'est sur le ton de la blague, mais vraiment moi ce Non, que j'ai bien j'apprécie avec compris. ces vidéos VS, que en fait, ben, je sais pas, quelqu'un qui lance des vidéos VS comme ça,
Son but principal, ce serait peut-être, c'est de toucher des personnes qui sont connues et puis du coup de s'attirer des vues. Et en fait, le truc, c'est que moi, en lançant ce concept de VS, j'avais pas du tout pensé à ça. Et c'est grâce justement aux premières vidéos, donc avec MJ ou Max au maximum, ou même la dernière que j'ai fait, c'était Doremi Theory. Toutes ces personnes-là, et ben à chaque fois, j'ai eu une réponse, j'ai eu un commentaire, j'ai réussi à les. Enfin, c'était pas mon but au départ, mais ils sont venus voir ma vidéo, ils ont commenté ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai trouvé ça super cool parce que du coup, j'ai pu échanger avec ces personnes-là et j'ai trouvé ça en fait super génial. Et là maintenant. Tu vois, rien que le fait de me dire, là, je fais cette vidéo VS, je me dis que peut-être, eh ben, je vais pouvoir communiquer avec ce YouTuber-là, parce que j'apprécie ses vidéos, et moi, bah, ça me fait plaisir de pouvoir bah, faire un échange comme ça, c'est-à-dire, bah, en fait, je mets en avant le contenu des autres, en même temps, ça me permet de dialoguer avec des personnes intéressantes, et puis, bon, même si, en général, c'est des vidéos qui sont bien plus connues que moi, je sais que je leur fais pas gagner beaucoup de vues, mais voilà, moi, je trouve ça super sympa. Cet échange-là, parce que c'est un peu, tu sais, comme si on se serre les coudes entre youtubeurs, on est là, on parle ensemble, on n'est pas des concurrents, vous voyez, là où dans la vie réelle, il pourrait y avoir des concurrents entre des entreprises, là, bah, ça permet de vraiment raffermir des liens. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse à part, et je pense qu'on va pouvoir commencer la vidéo, sachant que là, je te stream la vidéo, donc tu la vois normalement en même temps que moi, j'espère que toi, ça risque de peut-être de laguer un peu, de bugger, tu me diras. Oui, oui, On oui. verra un peu comment on va faire. Et puis, Ah ben voilà, alors ben, justement, il prévient. c'est ça, il prévient. Cette vidéo dévoile des éléments clés de l'intrigue des œuvres suivantes. Donc, en tout cas, vous êtes prévenus. On peut démarrer. Tu me dis si tu entends le son, si tu Vous vois croyez qu'il y a des gens l'image. qui habitent dans une autre galaxie? C'est bon. Oui. Ouais, moi aussi. C'est donc pas un film de science-fiction, Star Wars. C'est une mythologie. Ça pourrait se passer Ça pourrait se passer dans un truc de chevalier, de machin. D'ailleurs, il y a beaucoup d'emprunts à gestes arthuriennes. Hein. Vous croyez qu'il y a des planètes où il n'y a que des chevaux, d'autres planètes où il n'y a que des furets, et d'autres planètes où il n'y a que des insectes? Non. Salut, c'est Sai, et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Kaamelott et Star Wars dans une même vidéo. Si c'est votre première fois sur la chaîne, sachez que ça fait déjà 2 ans et demi que je parle beaucoup de Kaamelott à travers l'analyse de personnages. Donc n'hésitez pas à vous abonner, car on s'approche tout doucement des 100 000 pignoufs, et ce serait vraiment cool de les atteindre avant la sortie du film. Pignouf! Franchement, c'est un hommage à toi, ça, non? Un peu. Alors, juste ça bug un tout petit peu Ah. le stream, si tu pouvais juste relancer. Relancer le stream? Ah ouais? Tu penses que Ouais, ça peut changer quelque chose? ça peut. Ok, bah on va essayer, hein. Alors, vous avez peut-être vu, là sur la vidéo, un petit changement d'une frame. C'est normal, parce que je viens de refaire un petit cadre. Qu'il avait un peu de soucis avec le stream pour regarder la vidéo avec moi. Et il a eu le coup de génie de me proposer, alors je pense que ça pourrait en aider beaucoup, Watch Together. C'est un site où, bah, en fait, vous partagez le lien de la vidéo. Et après, bah, si l'un ou l'autre démarre la vidéo, ça la démarre pour l'autre. Et au moins, ça lag pas. On a fait un tout petit test. Tu m'as dit qu'apparemment, c'était bon. Ça laguait pas. Donc, on va pouvoir reprendre. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que Kill va pouvoir avoir la main mise sur le truc et s'il veut mettre sur pause, il mettra sur pause. Mais donc Voilà. si je veux mettre pause à chaque frame et embêter Kishi au montage, je peux. Il peut, mais je suis pas sûr qu'il sera là jusqu'au bout de la vidéo s'il fait ça. Bon, eh ben, allons-y, je démarre la vidéo et on continue. Quant à Star Wars, il y a quelques semaines seulement, je ne les avais encore jamais vus. Mais j'ai enfin réparé cette erreur, en tout cas pour ce qui est de la trilogie originale et de la prélogie. Bon, elle a J'ai vu le d'ailleurs principal, partagé hein. cette expérience avec vous à travers 2 vidéos, et la suite devrait arriver dans un avenir plus ou moins proche. Par exemple, vous prenez aujourd'hui, vous comptez 7 jours, ça vous Je emmène fais la dans une chose semaine. exacte. Eh ben, on sera exactement le même jour qu'aujourd'hui. Ah ouais! À une vache près, hein, c'est pas une science exacte. Or, il se trouve qu'Alexandre Astier est un grand fan de Star Ouais. Wars, et notamment, n'en déplaise à certains, de la C'est prélogie. vrai. Ainsi, de nombreuses références à Star Wars ont été glissées dans Kaamelott, certes. On en a vu pas mal, ouais. Oui. D'ailleurs, il a même dit que sa bande originale de tout film confondu préférée était l'attaque des clones. Ah ouais. Bah, Moi, moi, perso, sachant que j'ai beaucoup joué à Star Wars Galactic Battleground, il y a beaucoup de musique du premier épisode, Oui. de l'épisode 1, et du coup, en fait, à chaque fois que je regarde l'épisode 1, je suis toujours nostalgique des musiques. Et ça, à chaque fois, mais ça me Ouais. rend trop, trop nostalgique.
Je trouve que c'est un des points où limite la prélogie est meilleure que la trilogie, même si évidemment la musique de la trilogie est incroyable, mais la prélogie c'est fou. Mais ça, je sais pas, parce que les musiques, c'est très perso, et puis ça dépend du nombre de fois que tu les as entendues. Je sais que des fois, je vois un film, je le regarde une Ouais. fois, je fais pas attention aux musiques, bah, mais après, par exemple, je sais pas, le thème de Ray, je sais que de mon côté, je l'avais réécouté, et dès le moment où je revoyais le film, là, j'entendais la musique. Donc en fait, ça dépend vraiment si tu t'investis à écouter les musiques ou pas. Parce que ça peut très bien passer Ouais, comme je... une lettre à la poste, et tu la verras même pas, tu l'entendras même pas. Écoute, franchement, je trouve et que les musiques de la prélogie, ça fait partie des meilleures de la saga, avec évidemment des thèmes comme l'Empire contre-attaque, etc., qui sont excellents aussi. Et bon, après, c'est vrai que la postlogie, on n'est pas là pour parler de ça, disons. Exactement, continuons. Je suis enfin en capacité de les repérer et donc de les analyser, ce qui pourrait offrir des pistes de réflexion sur les événements des prochains films. Dans cette vidéo, je vais donc d'abord vous parler de la légende arthurienne et des mythes en général, car il semble que George Lucas et Alexandre Astier partagent des sources d'inspiration communes. Et ensuite, je vous présenterai les différentes références à Star Wars dans Kaamelott, car il y en a plus d'une. Pour parler de la légende arthurienne, quelque chose d'assez amusant, c'est que ceux qui ont fait la communication pour les prochains livres de la Haute République, qui vont donc se passer des centaines d'années avant l'épisode 1, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 200 ans, il me semble, avant Ouais. l'épisode 1, Il semble que c'est eh ça, ouais. bien ils ont dit que c'était globalement les Jedi à la table ronde. Donc évidemment, le public français avait fait le rapprochement avec Kaamelott. Fais-le. Ou ne le fais pas. Ouais, c'est Et pas il n'y a faux. pas d'essai. Non, elle me fait chier cette phrase. Ah non, c'était pas ça, tu vois. Avant de vous présenter les différentes références à Star Wars dans Kaamelott, je dois donc d'abord vous parler de la légende arthurienne et de son influence sur les deux œuvres en question. Pour Oui, Kaamelott, l'influence est plutôt. plutôt évidente, étant donné qu'Alexandre Astier a carrément revisité le mythe arthurien pour nous proposer une adaptation humoristique, certes, mais surtout plus sombre et plus réaliste des héros de cette légende. Ici, je ne vais pas développer davantage cet aspect de la série, car j'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos sur cette chaîne, et notamment dans ma trilogie. Pour ce Très qui est de bien. Star Wars, en revanche, l'influence de la légende arthurienne est peut-être moins flagrante, mais elle est pourtant bien présente. Et du coup, bah, ça se regarde comme Ben Hur, comme un truc fondamental, quoi. Luke Skywalker, l'élu de la prophétie qui vient délivrer la princesse Leia avant de découvrir qu'il s'agit en fait de sa sœur, ce n'est pas si éloigné d'Arthur, l'élu des dieux qui, dans de nombreuses versions de la légende, est séduit par sa demi-sœur, la fée Morgane. On peut aussi parler de Maître Yoda ou d'Obi-Wan Kenobi, qui, tout comme Merlin, vont guider l'élu avec sagesse avant de se retirer pour laisser la place au véritable héros de l'histoire. Ajoutons à ça les sabres laser qui font directement écho à Excalibur, ou les chevaliers Jedi qui ne sont pas sans rappeler les chevaliers de la table ronde, et ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Alors, y a quand même certaines petites choses, moi, qui me disent. Je suis d'accord avec lui pour certaines choses. Évidemment, il y a des reprises de la légende arthurienne, etc. Mais George Lucas, d'ailleurs, s'en cache pas. Mais je pense que c'est loin d'être une source d'inspiration unique. Alors, certes, pour les sabres laser, je pense qu'il y a une référence à Excalibur. Mais il y a évidemment aussi beaucoup de références mythologiques dans Star Wars. Pas toutes les citer, mais il y en a énormément. Après, on pourrait dire que la légende arthurienne est une sorte de mythologie. C'est pas vraiment le cas, mais ce serait pas complètement hors sujet. Mais ce que je pense surtout, c'est que Star Wars, ça reprend énormément Joseph Campbell, qui a fait donc le voyage du héros. Ou alors c'est Vogler qui a fait ça. Enfin, Vogler, de toute façon, a repris Campbell, donc c'est plutôt cyclique. Mais en tout cas, voilà. Je sais que George Lucas s'est inspiré de Campbell, que Vogler a repris les travaux de Campbell, et que du coup, après, Astier s'est inspiré de Vogler. Donc, il y a aussi, si tu veux, sur la structure, le voyage initiatique, etc., quelque chose qui fait que c'est partiellement et en général les mêmes événements qui se passent. Et je sais que par exemple, Sayplay, oui, il aime bien aussi Harry Potter. Si on regarde vraiment Harry Potter, on pourrait voir aussi la même chose. Luke, Harry qui sont chez leur oncle et leur tante, ce sont les élus d'une prophétie et ils vont donc devoir combattre le mal, etc. Donc, finalement, c'est un rapprochement qu'on peut faire avec plein, plein, plein de films et séries. Et ça montre juste que Kaamelott, c'est une œuvre réfléchie à la base pour être une saga au même titre que Star Wars. Mais je pense pas que. Évidemment, hein, Star Wars a des références avec le mythe arthurien, avec Excalibur, etc. Mais je pense pas que surinterpréter ça soit
spécialement pertinent, mais enfin, peut-être qu'il a d'autres arguments. Non, mais après, enfin, cette quête initiatique du héros, comme tu le dis, on la retrouve de partout. Mais après, dans sa vidéo, il précise bien, il dit bien, je sais que, voilà, ils ne sont pas inspirés que de ça, mais sachant qu'il fait une vidéo sur les deux, il essaye de voir vraiment les similitudes, essayer de les. Mais évidemment, évidemment. Alors, est-ce que George Lucas s'est inspiré de la légende arthurienne pour écrire sa propre histoire ? Eh bien oui, mais pas seulement. Ah, en fait, d'accord. George Lucas n'a jamais caché qu'une grande partie de son inspiration venait de la théorie du monomythe de Joseph Campbell. Ah, Campbell, voilà. Voilà, t'as tout dit. C'est le type qui a été en... Et là, il sort Vogler. ...avant d'écrire Star Wars. J'ai préparé tout le truc. Star Wars 1, en tout cas. Et la démonstration... Je l'avais vu, les vidéos d'Astier. D'après cette théorie, tous les mythes du monde racontent essentiellement la même histoire. L'histoire d'un homme ordinaire qui va vivre quelque chose d'extraordinaire. Exact. Et ces mythes seraient, d'après cette théorie, tous construits selon la même structure pour raconter le voyage d'un héros. D'abord un appel à l'aventure, suivi d'un cheminement d'épreuves, pour ensuite réaliser son objectif. Sachant que Arthur, lui, bon, il est totalement ordinaire, mais Luke... n'est pas si ordinaire, il paraît ordinaire au début, mais il a quand même un passif dû à ses parents qui est pas si ordinaire. Alors, pas complètement, non, parce que Arthur c'est quand même le fils de Pendragon. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'était le roi du royaume de l'Ogre. T'as raison, ok, je me tais, mais tu fais bien de le rappeler, ouais. Ce qui en général permettra avant tout au héros de mieux se connaître lui-même. Après sa quête, le héros revient dans le monde ordinaire pour au final améliorer le monde grâce à ce qu'il a accompli. N'importe quoi, c'est ce que disait Aristote, a un début, un milieu, une fin. C'est que ça les trois actes. Les choses commencent et puis les choses se poursuivent et les choses s'achèvent. C'est un cycle auquel on est tous soumis. Mais attends, mais du coup par rapport à ce que là je viens de dire, tu sais le fait que ouais. Ben au début... T'es personne et en fait tu deviens quelqu'un, mais de ce que je me rends compte, j'ai l'impression que ça touche quand même des gens qui à la base ne sont peut-être pas n'importe qui. Et ça remet en question, tu sais, par exemple, même la morale du 8 qui dit que même si tu viens de nulle part, tu peux... Enfin, non mais je sais, j'ai pas envie de retourner là-dessus, mais j'ai l'impression que si tu veux devenir quelqu'un, il faut quand même que t'aies une petite base de quelque chose, tu sais, tu peux pas vraiment être rien. Bah là en l'occurrence Arthur c'est l'élu des... Oui voilà, Arthur est l'élu des dieux, alors forcément à l'époque le roi ça se passait aussi de un petit peu de père en fils, mais faut savoir que Arthur c'était quand même le fils de Pendragon, mais c'était surtout, on disait, hein, le bâtard de Pendragon, parce que en fait il a pu enfanter sa femme parce que il a fait un sort qui lui... donnait l'image d'un autre, c'est ça? Voilà, exactement, et c'est comme ça donc ils ont eu un enfant, et que donc voilà, Arthur est considéré comme un bâtard. Donc c'est pas spécialement une superbe image pour Arthur. En tout cas, en général, bâtard c'est pas trop bien vu. Non, c'est clair. Cette théorie du monomythe est largement basée sur la psychologie analytique, dont la vocation est de se pencher essentiellement sur la question de l'inconscient ou de l'âme, en s'intéressant aux mythes et aux traditions qui, à toutes les époques, ont joué un rôle essentiel dans l'inconscient collectif, et donc dans la psyché individuelle. Et tout comme George Lucas, Alexandre Astier s'est aussi beaucoup intéressé à cette théorie. Le lien entre Star Wars et Kaamelott est maintenant posé, il est donc temps de s'intéresser plus en détail aux différentes références à Star Wars dans Kaamelott. Et c'est là où je me suis arrêté, moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? D'accord. Mais... Elle est pas mal, celle-là. Ceci dit, le fait qu'il repose Excalibur, donc le sabre laser de Luke, hein, c'est quand même drôle qu'il fasse ça, parce que si tu prends vraiment la cohérence de l'univers, Arthur avec ça il peut gagner un bon gros nombre de batailles, quoi. Ah mais ouais, c'est vrai, c'est même plus que son Excalibur, quoi. J'ai envie de dire que là les épées c'est même pas qu'il est supérieur, c'est qu'il les tranche. Après ceci dit, dans le livre 4 on voit bien quand un tout petit coup à un colosse de 2 mètres, il tombe d'un coup comme ça. Oui, je me souviens. Après, parce que ça, après... c'est pour ça que j'allais dire, j'ai l'impression que c'est peut-être limite aussi puissant, enfin pas aussi puissant, mais que ça fait à peu près la même chose, à part que oui, peut-être que le sabre laser, ça tranche plus. Ouais. Peut-être un bon, peu après, c'est pas grave. Mais remarque que c'est, qu'on disait l'autre jour pendant le débat, que Perceval avait peut-être retiré l'épée du rocher d'Excalibur, machin,
Et remarque, c'est aussi Perceval qui allait chercher cet Excalibur C'est vrai. C'est vrai. Oui, cet autre Excalibur, entre guillemets. Donc je trouve que c'est un lien assez Après, sympa. le problème, c'est qu'en gardant ce sabre, là où Excalibur, il peut être le seul à générer sa magie, tout le monde aurait pu le prendre et ça aurait pu être dangereux, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors peut-être qu'à l'époque où il l'a fait assez, il y avait encore une histoire, bon, qui était Legends, hein, mais qui disait que seuls les Jedi pouvaient être assez purs pour allumer un sabre laser, etc. Oui, il y avait ça, mais moi j'avais entendu ça, ouais, mais après on m'a dit oui, mais C'est... t'as des sabres qui sont comme ça, et t'as des sabres où t'as juste appuyé sur un bouton. Voilà, en l'occurrence celui de Luke s'est appuyé sur un bouton. C'est ça. La première référence est certainement la plus évidente. Dans l'épisode 43 du livre 3, Arthur, Perceval et Caradoc découvrent une porte dimensionnelle. Alors ce n'est pas la seule fois où une telle porte apparaît dans la série, c'est une référence à Stargate, et c'est d'ailleurs même Ouais, le titre des Stargate 2. épisodes concernés. Mais c'est un danger évident qu'ils ne semblent pas percevoir que la référence à Star Wars commence, puisqu'il décrit une petite cabane en terre au milieu d'un désert et qu'il discerne même deux soleils. C'est donc clairement sur la planète Tatooine que Perceval a atterri. Alors, on pourrait quand même se demander quelle est la chose en fait qui fait que dans la théorie, dans quel contexte ça peut se passer en fait. À Parce quel moment que, dans Star Wars? ouais, voilà, à quel moment dans Oui. Star Wars? C'est intéressant de se poser la question. Bah oui, parce qu'il Parce que faudrait se tu pourrais. demander à quel moment est-ce que Luke possède ce sabre-là sur Tatooine, à part peut-être. Dans une scène coupée du 6, alors c'est pas dans l'image qu'il a montré, mais dans une scène coupée du 6. À un moment, il a un sabre laser. Enfin, il est dans une sorte pareil de cabane, etc. Et c'est le moment où juste où il fabrique son sabre laser et où il va après délivrer Han Solo. Oui, mais le Donc, truc, c'est que on dans le peut se 6, dire il a ça, tu déjà vois. un autre sabre, vu qu'il a perdu celui-là en se... Ah non, attends. Celui-là, Mais c'est non, peut-être après. c'est le Ah vert. oui, celui-là, c'est le vert, donc c'est après. Mais Ah. apparemment, il dort, donc. On se dit, il a dû quand même, parce que Arthur il pionce entre temps, donc il a dû le perdre un jour. À moins que le temps s'écoule pas pareil dans Star Wars que dans Camelot. Enfin bon, là ça commence à être un débat un peu. Non, mais c'est mar... non, mais ça reste marrant quand même, parce que je me suis posé aussi la question de se dire, tiens... S'il avait vraiment eu Ou sur alors Tatooine, on peut etc. s'imaginer que la rescousse de Anne a été retardée Je à cause de Perceval. pensais ça aussi, hein. Un moment où Luke il se dit, mais putain, il est passé où mon sabre? Et puis d'un coup, il le voit réapparaître. Bon, je sais pas. Ou peut-être qu'en fait, on voit Perceval peut-être dans Star Wars, mais non, je sais pas. Et on l'a pas vu, et on Et n'a pas non. fait gaffe. Non. Il leur amène un sabre laser de couleur verte qui est sans doute le sabre de Qui-Gon, étant Non. donné qu'Alexandre Astier est fan de la Ah bah il l'a prélogie et qu'il corrigé ne en haut. semble que dans Erreur, la c'est le sabre prélogie, de Luke. Qui-Gon est le seul Ah oui, personnage je qui vois pose un là-haut. sabre laser de cette Mais non, couleur du à coup, bah il y a mettre les Luke pieds aussi. sur Tatooine. Mais je comprends pas si c'était une épée, pourquoi vous l'avez pas gardée? Non, mais c'était pas une épée. C'était un peu genre Excalibur, vous voyez? Moi, ça me gonflerait drôlement qu'un mec passe par une porte dimensionnelle pour venir me Et piquer du coup, j'admets Excalibur. que ça renforce un Si peu le côté un la peu élu de référence est Luke. plus humoristique qu'autre Aussi, chose, elle permet tout de même, un d'une peu. part, de confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la Ouais, similitude on voit entre clairement que c'est celui de Excalibur Luke. et les sabres laser, et d'autre part, d'accentuer le destin exceptionnel de Perceval. Et d'ailleurs, tu sais que ce sabre laser, il est aussi présent dans un Astérix. Alors, pas qui a pas été fait par Astier, mais dans un. Je crois que c'est aux Jeux Olympiques, je crois. Hein. Mais attends, C'est pareil, Astérix à un film moment. ou BD? Enfin, dessin animé. Non, film. Ah mais oui, Il y a un le moment, il y a un film, le personnage qui navet, prend. là, aux Jeux Oui, Olympiques. ouais, voilà, il est nul, hein. Mais Oh, il est nul, ouais. il y a une scène avec Astier, donc c'est bien. Mais Oui. justement, il y a un moment, il prend un sabre laser vert, pareil. Mais c'est le même, à croire qu'il doit y avoir un vide dans les droits de Lucasfilm pour ce sabre laser, et ils l'utilisent tous, je sais pas. C'est vrai. Ouais, je sais pas. Toujours le même, en plus, ouais. Ouais. Qui est en quelque sorte allé chercher une autre version d'Excalibur. Arthur demandera finalement à Perceval de remettre le sabre à sa place, et heureusement, car c'est bien ce sabre qui permettra à Bah oui, Obi-Wan de mais du coup vaincre non. Dark Maul à Du la coup fin de non, la ouais. menace fantôme. Et toc, remonte ton Mais slibard, c'est ce sabre qui retard. permettra à lui de Quoi? battre Vador. C'est une expression. Si la première référence était évidente, je n'ai compris la deuxième que très récemment, car elle est beaucoup plus subtile. À la fin du dernier épisode du livre 4, Lancelot vient de perdre Guenièvre.
Mais Léa s'approche de lui, il parle du retour des longues nuits et finit par lui demander de se lever. Eh bien, cette scène de Kaamelott est en fait le miroir d'une scène de Star Wars. Dans La Revanche des Sith, Anakin a peur de perdre Palpatine. J'avais pas vu ça comme ça non plus. De Dark Vador et finit par lui demander de se lever. Anakin a donc été remplacé par Lancelot, Palpatine par Meleagant, Padmé par Guenièvre, l'arrivée de Dark Vador. Ah, ceci près que Luke veut pas pécho Guenièvre. Ah, bah si, en fait. De quoi ? Alors. À ceci près que Luke lui veut pas pécho Padmé, mais encore autre, parce que c'est sa mère. Ceci dit, de famille, ça pourrait se faire hein, dans Star Wars, mais... Ouais, non, mais pourquoi Luke parce que... Non, parce que c'est Anakin, tu veux dire. Il fait le parallèle, je veux dire, entre ça. Ouais, mais c'est vrai Anakin et Lancelot. Pourquoi t'as dit Luke ? Non, parce que, du coup, je mets ça parce que Lancelot, qui était avant gentil comme Anakin, devient Dark Vador, et je poussais l'histoire un peu plus loin, si tu veux. Ah ! Avec Arthur qui serait donc Luke. Mais je vois loin. Mais par contre, c'est vrai que. Et puis, dans la séquence de Kaamelott, Meleagant a une capuche. Alors, à ce moment-là, dans. Si, il la met la capuche après, là, dans cette scène sur. Mais justement, Star Wars. Palpatine, lui, l'a pas. Non, mais c'est ça que je dis, c'est que je crois que dans cette même scène, Palpatine, il met une capuche. Pas à l'extrait où il a montré, mais dès le moment où il le nomme Dark Vador, il met la capuche à ce moment-là. Je crois que c'est quand Anakin part qu'il la met. Faudrait peut-être revoir. À mon avis, Je crois que ça reste dans la même scène, donc ça ferait quand même bien le parallèle. Moi, franchement, ouais. Chapeau à lui qui vient de découvrir Star Wars pour faire ce parallèle-là, parce que alors là, pour le coup. Bah, peut-être aussi de l'avoir vu récemment, ça aide, mais oui, tout à fait. C'est vrai. Levez-vous. Bravo. Et restez la même. Oh la voix, la voix de Palpatine est dégueulasse en VF dans Star Wars 3. À ce moment-là. Oui. Non, c'est vrai, je suis désolé. Oh, souris, je suis désolé. Mais... Nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits. Ah, il y a de la ressemblance. Levez-vous. Ah, oui, c'est vrai que levez-vous. Si on pourrait se contenter d'y voir simplement un magnifique hommage à Star Wars, j'ai envie de pousser la réflexion un peu plus loin. Car en effet, Meleagant sera le marionnettiste qui tirera Lancelot vers le côté obscur pour qu'il défie Arthur, l'élu des dieux. Mais Lancelot changera d'avis au dernier moment et ouais, le retrahira après. Tout comme Palpatine était le marionnettiste qui avait tiré Anakin vers le côté obscur pour qu'il défie Luke, l'élu de la prophétie. Mais Anakin changera d'avis au dernier moment et sauvera finalement la vie de Luke. Sauf que Lancelot après il revient et un clin d'œil à Star Wars, mais bien tout le développement de ces deux personnages dont il est question. Un vrai chevalier ne garde jamais auprès de lui quelque chose qu'il ne puisse pas quitter en 30 secondes. À la limite, Lancelot, je le verrais peut-être donc plus que Michael Rennes. Je ne jamais rien auprès de vous. Que dois-je faire alors, maître Yoda ? Du coup, il n'a pas vu la postologie, donc c'est peut-être un peu plus normal que. Oui, là, il n'a pas pu faire le parallèle. La troisième référence, c'est vrai que c'est plus enfoncé le coup, puisqu'il s'agit des. Cassian n'a pas pu l'écrire à l'époque comme Kylo Ren, puisqu'à l'époque, Kylo Ren n'était pas créé. Donc, oui, s'il y avait parallèle à faire, c'était avec Dark Vador. Ouais, exactement. Livres 4 et 5, qui ne sont pas sans rappeler les vêtements des Jedi dans Star Wars. Si j'ai déjà fait le lien entre les chevaliers de la table ronde et les chevaliers Jedi, ce n'est pas non plus anodin si c'est Lancelot qui est vêtu ainsi, celui qui au départ accorde le plus d'importance au code de la chevalerie. Mmh. Sans parler du fait qu'Alexandre Astier a dit lors d'une interview qu'il préférait les méchants et donc qu'il préférait Dark Vador à tous les autres personnages de Star Wars. Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant, car je n'ai pas encore fait l'analyse de personnages de Lancelot. Il faut vraiment que je la fasse avant la sortie du film, mais pour le coup, je suis content d'avoir attendu de voir Star Wars, car ça va clairement venir enrichir cette analyse. Mais oui, mémé, t'es bien mouché. La dernière référence n'en est pas vraiment une, car il s'agit en fait de la construction de la série. Le livre 6 pourrait être considéré comme la prélogie de Kaamelott. Et oui. Astier a dit dans une interview que... justement, le fait de revenir dans le passé, comme ça, il le tenait sûrement de Star Wars. Ouais, mais en même temps, c'est vrai. Et puis, qui connaît un tant soit peu Star Wars n'a pas pensé à ça en voyant justement ce retour dans le passé. Et puis même, c'est marrant parce que, petite anecdote, quand j'ai vu le tout début du livre 6 commencer, et puis je me suis dit, attends, mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Et puis que... j'ai vu qu'on était effectivement dans le passé, j'ai juste scrollé dans les commentaires et j'ai vu quelqu'un qui disait « Oh bah tiens, avec le confinement, je vais me refaire Kaamelott mais en ordre chronologique ».
Et je me suis dit, putain, mais ouais, c'est vrai, ça fait le même délire qu'avec Star Wars où t'as des gens qui, bah ouais, je vais. Ou même des gens qui veulent faire découvrir Kaamelott à quelqu'un, qui vont lui dire, bah tiens, commence par le livre 6 et. Alors, est-ce que ce serait vraiment pertinent? Je sais pas, mais je pense que. Il y a, si, y a quand même un truc dans. Bah, faudrait pas juste voir le dernier épisode d'Yassiré. Mais, mais du coup, c'est vrai que Kaamelott a aussi ce truc-là, c'est-à-dire que dès la première saison, on t'en fout plein les yeux quelque part, hein, parce que c'est quand même une des saisons où il y a le plus de retournements, etc. Mais après, revenir sur un budget peut-être un peu plus faible avec des histoires plus courtes, peut-être que ça pourrait en ennuyer certains, je sais pas. Alors ça, ce que t'es en train de dire, c'est la même chose. Tu me rappelles exactement la chose avec Star Wars. Et c'est ce que disait d'ailleurs SciPlay. Il disait, ouais, je sais qu'en commençant par la prélogie, bah, peut-être la différence de technologie avec la trilogie originale, je risque d'être un peu choqué. Et tu vois ce qu'il a dit au final. Il a dit que, bah, limite, il préférait la trilogie. Donc, non, moi, je suis pas d'accord. C'est pas un problème de préférer ou pas. Je dis juste que Astier, il a construit son histoire ainsi. Et justement, c'est quand tu arrives à la fin du livre 5, que tu vois le gars qui se suicide, ça peut être intéressant de se dire. Comment ça se fait que ce gars, au bout d'un moment, tu vois, il abandonne le pouvoir, etc. C'est même Astier qui le dit, hein, je paraphrase. Qui dit, pourquoi est-ce qu'un mec comme ça décide tout d'un coup d'abandonner le pouvoir, etc. Et justement, c'était intéressant de retourner dans le passé pour voir ça. Et c'est comme Dark Vador, à la fin du 6, Dark Vador, on le découvre. Et donc, comment est-ce que ce mec a fait pour être un des plus grands méchants de la galaxie et à la fin avoir une part de bon en lui qui fait qu'il sauve son fils. Mais c'est la clair. Prélogie, c'est ça. Mais moi, selon moi, je suis totalement d'accord. Et je préfère regarder la trilogie d'abord et après la prélogie, mais trouve que l'autre sens n'est pas forcément moins bonne. Bah, oui, absolument. Mais alors, on remarquera quand même que Kaamelott, c'est livre 6, donc. Enfin, je veux dire, il y a marqué 6, donc c'est quand même plus ou moins suggéré de le regarder dans cet ordre-là, mais je trouve quand même pour la... Alors, c'est pas dramatique, on est d'accord, si on va dans l'ordre chronologique, même pas du tout, mais juste que ça permet de découvrir Kaamelott différemment, et quand on le revisionne, c'est fantastique, je trouve. Mmh. Et je trouve que c'est aussi pareil, du coup, pour Star Wars, c'est-à-dire que tu découvres la prélogie, et quand tu revois, du coup, la trilogie originale après... Et que tu l'avais déjà vu une première fois, tu redécouvres plein de sens de lecture, parfois même un peu incohérent, notamment avec l'histoire de Leia à la fin du 6, c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà. Mais justement, c'est très très. Je trouve que c'est plus intéressant, je sais pas si tu pourrais dire ça, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et puis de toute façon, l'histoire est forcément pensée pour qu'on puisse regarder les films dans leur ordre de sortie chronologique. On est sûr qu'on va pas louper de choses, etc. Puisque l'auteur a voulu ça comme ça. Non mais carrément la relecture elle est du coup très très bonne hein, grâce à ça. Mais tu vois par exemple moi si je devais me refaire Kaamelott, je commencerais par le 6, tu vois. Mais juste parce que je connais déjà. Tu sais je conseillerais pas à quelqu'un de néophyte de commencer par le 6, mais moi qui tu vois je sais pas qui connaît maintenant, j'aurais limite envie de faire le livre 6 peut-être sans le dernier épisode, puis je me fais tout Kaamelott à partir du livre 1 jusqu'au dernier, jusqu'au fin du livre 5 et après je me fais le dernier épisode du livre 6. Tu vois, si je devais le revoir, je ferais comme ça. Ouais, non, mais ça se tient. Après, d'ailleurs, c'est une question que je m'étais posée. Pourquoi est-ce qu'il a mis cette fin de livre 5 après le 6? Je trouve ça un petit peu étrange de placer ça comme ça, en fait. De revenir dans le présent Ouais, surtout que je trouve que ça apporte pas grand-chose, en fait, le livre 6. Ça apporte une chose à la saga, mais pas à cette situation en particulier. À part le moment, mais ça dure pas longtemps du tout, à part le moment où il voit sa première femme qui s'appelle... Oh non, c'est parti de mon esprit. Je sais plus, je peux pas t'aider. Moi, je vais retrouver à la fin. Tu vas retrouver. Mais moi, après, ouais, tu te poses la question de pourquoi est-ce qu'il a mis ça à la fin du livre 6 pour retourner dans le présent. Alors oui, je pense que c'est... Tu dis que c'est une petite chose, mais pourtant, je pense que c'est assez énorme pour être justifié que ce soit à la fin de l'épisode 6. Du livre 6. Donc... Je suis d'accord, mais c'est-à-dire que du coup, j'ai limite un peu de mal à considérer cet épisode comme de la saison 6, en fait. Ouais, mais quelque part, moi, j'ai ressenti une satisfaction de revenir dans le présent, parce que, on va dire c'est que, pareil. En fait, j'ai été un peu déçu de me dire que le 6, c'était pas une suite, et le fait qu'en fait, on racole quand même à la fin du 6 avec le présent, ben, j'ai ressenti plutôt une satisfaction plutôt qu'un malaise. Mais
Ce côté-là, tu vois, je trouve qu'on l'a vu déjà à partir du. À partir finalement du moment où Arthur revient en Bretagne, ou même à partir du moment où on découvre Perceval, T'as etc. raison. Faire Mais bon, leur petite aventure. non, je sais pas, Mais je dis après, oui, non, que. je suis pas en train de critiquer Kaamelott, je dis juste que c'est assez étrange de faire comme ça, mais c'est pas du tout mauvais pour autant, hein, au contraire. Oui, non, mais c'est ça a été vrai que ça. J'aime plus. Ça a été sa manière de faire, ouais. Bon, allez, on va enchaîner. La prélogie de Star Wars, on peut dire qu'elle n'a pas fait l'unanimité chez les fans. Pour ma part, je trouve que comme pour Star Wars, où la prélogie vient sublimer la trilogie, eh bien le livre 6 vient Tout sublimer tous les livres précédents. Il est donc possible que Star Wars ait inspiré Alexandre Astier pour le livre 6. On pourrait aussi faire le lien avec 6 films d'un côté et 6 livres de l'autre, mais je rappelle qu'au départ, il y avait un 7e livre de prévu, donc c'est un peu bancal. Tout comme on pourrait faire le lien avec la photo du tournage partagée par Alexandre Astier, qui ressemble quand même sacrément à Tatooine. Quoi qu'il en soit, j'espère que les 3 films Kaamelott feront plus l'unanimité que les 3 épisodes de Star Wars, mais... C'est marrant que vous sentiez pas le moment où il faut s'arrêter. S'arrêter de ? De me faire chier. Ah, je suis désolé, Sire. Quand je m'embarque sur l'espace... On se lève dans 3 heures, vous pouvez la fermer ? Ouais. Si vous pensez avoir trouvé d'autres références à Star Wars dans Kaamelott, je vous invite vraiment à vous exprimer dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi, mon rêve, ça serait d'aller dans une autre galaxie. Quand je regarde le ciel avec toutes ces étoiles, la Voie lactée et tout. C'est là où on se rend compte que c'est quand même vachement bien écrit. Quand t'as Perceval qui te dit quelques épisodes avant « Ah, moi mon rêve, ce serait d'aller dans l'espace » et qu'après, il va donc dans Star Wars. Donc c'est quand même vachement bien. Et c'est encore plus mieux, je veux dire, c'est encore sublimé quand t'apprends dans le livre 6 que ses parents l'ont trouvé dans un champ de culte et que du coup t'imagines qu'il vient pas d'ici, quoi, Perceval. C'est vrai. Oh, c'est ce que je pensais au départ, puis après j'avais écouté une vidéo, je sais plus laquelle, qui en fait a dit bah, c'est peut-être en fait quelqu'un qui l'a déposé là. Mais j'avoue que ça fait un peu gros quand même. Mais ouais. Je préfère me dire, surtout que Perceval en plus a un lien avec Excalibur incroyable, je préfère me dire qu'il vient d'un autre plan, Perceval. D'un autre plan, d'une autre dimension, d'un autre temps. Et tu remarqueras qu'à chaque fois qu'il faut aller, à chaque fois qu'il faut aller dans un univers un peu pareil, qu'il faut passer des portails, etc., c'est lui qui y va. Ah oui, donc, mais c'est... Déjà, mais ça veut bien dire que lui, il est à l'aise avec tout le monde, tu vois, c'est Perceval, c'est... Ah bah lui il est à l'aise, mais je dirais même que j'enlève pas le fait qu'il soit intelligent et tout ça, mais il faut quand même dire il est naïf et puis lui bon il dit bon pff, je vais y aller, je sais même pas ce qui peut m'arriver, donc bon voilà, en fait il se pose pas de la question de ce qui peut lui arriver. Bon bien bah tu vois, sur 11 minutes de vidéo on a quand même pu pas mal échanger, donc c'est cool. Non franchement, et puis le format est bon, est très très bon, et je parlais de l'intérêt de faire CVS au début. Il y en a un autre gros intérêt aussi que moi j'aime bien, c'est que c'est pas forcément, enfin j'appelle ça un VS, mais c'est pas forcément des VS. Moi je peux découvrir les vidéos comme ça, et en fait tout simplement c'est de, à un moment j'ai envie de voir une vidéo et puis je me dis bah tiens, j'ai envie de m'enregistrer en train de la voir et d'y réagir, pas forcément sur un truc que je vais pas être d'accord, mais simplement pour découvrir la vidéo. Et je me dis que des moments, bah pour des gens qui ne connaissent pas ces genres de vidéos, ça peut même leur faire découvrir. Et je sais que moi, à plein de reprises, je me suis déjà dit, tiens, bah si tel youtubeur partageait sa réaction pendant qu'il regardait cette vidéo, bah ça me permettrait autant de découvrir la vidéo et de voir ce qu'il en pense en même temps. Et je sais pas, je trouve que c'est... À mon avis, c'est pas un concept nouveau. Je crois qu'il y en a plein qui font ça sur YouTube. Genre, je regarde une vidéo avec vous et tout. Peut-être. Je sais pas. Faudrait oui, me confirmer. Oui, mais en général, ils font surtout en live. Ah ouais. Il y a ça. Oui, c'est vrai, live. Mais ça peut se faire un jour. Je dis pas que je ferai pas un DVS un jour en live. Ça pourra se faire. Mais général, moi, j'aime bien ce concept. Des émissions, etc. Oui, c'est ça. Peut-être plus pour des émissions. Non, mais je sais pas. Je kiffe ce concept. Voilà. Je sais pas après comment c'est reçu, mais moi je sais que c'est quelque chose que j'apprécie. Bon, en tout cas, bah merci de m'avoir épaulé dans ce VS Kill. De rien, mais c'était très intéressant, même la vidéo était très intéressante. Ouais, carrément. D'aller mettre un like, allez faire de même, je mets que la vidéo est dans la description. Vraiment, ouais, je mettrai la vidéo dans la description, donc allez-y, ça y plaise, tu nous écoutes, bah ouais, vraiment, vidéo de qualité, puis même toutes les vidéos que tu fais, puis la manière de parler, c'était très calme, très posé, il y a un bon son, très précis et tout ça, et donc c'est agréable, en fait, tout simplement, de t'écouter, et puis même le montage, en fait, est très doux, très...
il est pas, je veux dire, c'est pas du cut, c'est pas du t'as fait des musiques trop fortes, t'as vraiment une petite ambiance derrière et tout, donc vraiment pour après pour, dans le genre travail, cut qui fait des vidéos Kaamelott, il y a Capsule Pop et je t'invite à aller regarder sa série Sur la route de Kaamelott le film, parce que c'est un peu cut, mais c'est très bien rythmé, c'est très bien fait. Ok, moi, ouais, bah, ça empêche pas que les cut puissent être rythmés, mais tu vois des vidéos comme ça où ils te racontent, tu sais, c'est comme, quelqu'un, voilà, il te raconte une histoire avant de dormir ou tout ça, où tu mets ton portable sur un podcast, sur ton coussin à côté avant de dormir et tout ça, ça t'endort un peu. Et là, c'est un peu pareil, tu pourrais limite le laisser tourner en fond et tout, et c'est agréable. C'est pas quelque chose qui va te faire stresser, en tout cas. Donc, je t'invite quand même si ça t'intéresse pas trop les analyses de personnages, aller voir au moins celle sur Arthur parce que ça est vraiment très très bien. Ok, bah j'y ferai un tour alors. Eh bien, encore une fois, merci. Et bah écoute, peut-être un prochain VS, comme d'hab, n'hésite pas si tu veux qu'on se share un VS. Et aussi, n'hésitez pas à ceux qui regardent, si vous avez envie, tout simplement, je dis, oh tiens, j'aimerais bien regarder cette vidéo, mais pas tout seul, avec le Kishni. Et puis en plus, en format vidéo, comme ça on pourra réagir et tout ça. Allez, c'est parti. Bah franchement. Il va y avoir 500 demandes. Oh, je sais pas. Franchement, moi, si j'ai des demandes, je suis content parce que c'est, en plus, ça me permet de découvrir des vidéos que les gens connaissent et tout ça. Donc, c'est cool. Après, attention, il y a quand même quelques petites conditions. Faut pas que la vidéo dure 3 heures. Mais je dirais même que au-delà de 15 minutes, c'est déjà beaucoup parce que faut prendre en compte le fait qu'on parle, etc. Donc, voilà. Et puis, l'autre condition évidente, c'est que je ne l'ai pas vu. Et ça, ben, vous pourrez pas le savoir tant que vous me l'aurez pas demandé. Et ouais. Bon. Donc, on verra ça. Mais en tout cas, sachez que moi, je suis totalement ouvert à découvrir du contenu de qualité comme ça. Tu vois, je connaissais pas SciPlay et tu me l'as fait découvrir et j'en suis bien content. Parce que je reste, tu vois, calqué de près. Là, j'ai vu que, apparemment, il avait fait un sondage. Il serait plus porté, enfin, le sondage est plus porté pour qu'il regarde Rogue One et Solo avant qu'il enchaîne sur la postlogie. Donc exact, je pense que c'est une bonne chose, hein, mais moi j'avais voté postlogie, moi je suis déçu. Non, je déconne, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Non, il fait ce qu'il veut. Mais je pense même que à la rigueur ce serait peut-être mieux de regarder The Mandalorian avant de regarder la postlogie, parce que je trouve que ça introduit mieux la période que le Star Wars 7. Il y a ça aussi, mais après tu vois, on aurait pu dire bah au pire il aurait dû regarder Rogue One avant la trilogie originale. Bah alors si on voulait rester dans la même chose, c'est-à-dire complètement comment puis-je dire chronologique, c'est bah, sûr. Voulait, c'est ce qu'il voulait. Mais après oui, Rogue One c'est vraiment là pour sublimer le 4 et je suis pas sûr qu'on saisisse toute l'importance si on n'a pas vu le 4 justement. Je sais pas. C'est quoi pour citer une saga connue, c'est pas faux. Voilà, on va s'arrêter là. Ok. Eh ben, à la prochaine. Je te souhaite et je vous souhaite pour ceux qui regardent, bien de bien retourner à vos occupations. De bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que le Graal ou la Force soit avec vous. Ou la poulette.